Salut à tous, c'est Lumière dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Pizza Vis, le métier de livreur de pizza. Et oui, si vous n'êtes pas au courant les gars, vous allez recevoir un SMS quand vous allez rejoindre le jeu. Vous voulez gagner un max d'argent, vous cherchez un job dynamique, hyper flexible et axé sur les salariés dans le secteur en plein essor de l'économie à la tâche. Vous voulez faire tirer dessus quand vous avez 5 minutes de retard, alors passez chez Pizza Vis pour devenir livreur dès aujourd'hui. Ah ouais, ils ont un sacré message quand même les gars. Donc du coup, aujourd'hui, on va tester le métier de pizza, de livreur de pizza sur GTA, parce que ça vient de sortir la semaine dernière. Donc du coup, moi j'avais fait une vidéo qui vous avait pas mal plu, où je faisais du coup un livreur de pizza vs 30 players, donc ça n'a strictement rien à voir. Là, on va vraiment tester le métier de pizza. Alors, vous avez trois différents pizzerias, donc il y en a une ici, je vais vous montrer. Et du coup, je disais, il y en a une ici, il y en a une là, et il y en a une ici. Voilà, il y en a trois. Trois grosses pizzerias, ça dépend où vous êtes placé, où vous voulez la faire. Moi je vais prendre celle-ci parce qu'elle est juste à côté de mon agence et je spawn à mon agence. Et du coup, on va voir ce que ça donne. C'est parti, les gars, pour commencer à livrer des pizzas pour restaurant. Donc là, on clique sur la flèche de droite. Ok. Alors, est-ce que ça rapporte beaucoup? Le restaurant pizza propose désormais des livraisons à domicile avec 5 livraisons avec succès sans essayer de pizza refroidir pour débloquer le tarif spécial du Pegasi Pizza Boy. Ok. Vous avez des petites missions, des petits objectifs à faire apparemment. Ok. Donc là, je dois livrer les pizzas aux clients. Et on a aussi les pourboires et la température augmente. Alors attendez, faut que je regarde. Je pense que je vais commencer par là. Quoique. J'irai peut-être. Si je vais aller là. Après, je retourne voir l'autre côté. Ok, donc on a une température. Qui peut baisser et on va gagner de l'argent. Donc j'espère qu'on gagne beaucoup hein. Parce que si c'est pour livrer des pizzas et ne pas gagner assez d'argent, effectuer 5 livraisons et les laisser refroidir pour gagner de l'argent supplémentaire. Ok, il faut pas que les pizzas refroidissent quoi, en gros. Est-ce que vous déjà dans les commentaires les gars, quand vous commandez pizza, vous détestez quand la pizza elle arrive, elle est genre hyper froide et tout? Moi c'est un truc que je peux pas ça. Quand elle est froide, c'est pas du tout. Ok, donc là on va livrer ici. Bonsoir. Ah ouais. He did what? Toc toc toc. Ah ouais, cinématique et tout. Ah ouais, c'est stylé. What a drunk. No doubt. Later. Alors, oh, 406 de pourboire. Ah ouais, ils sont gentils aux États-Unis. Hein. 406 de pourboire les gars. T'imagines, toi t'es livreur et tu reçois 406. Je pense que tout le monde serait livreur de pizza. Vous pouvez arrêter de livrer des pizzas à tout le monde en appuyant sur triangle ou en quoi. Ok, bon apparemment on peut arrêter de livrer les gars. Tout est bien que nous on va pas arrêter, on va livrer les gars. On va livrer, on va voir comment ça rapporte ces livraisons de pizza les gars. Est-ce que ça rapporte beaucoup? Est-ce qu'à moins de se faire de l'oseille? Est-ce qu'on a un bonus en plus? Par contre, les températures des pizzas elles sont en train de descendre. Ça craint. Ok, faut que je bombarde un peu, les gars. Faut que je bombarde un peu. Et si je fais un accident, genre les pizzas elles tombent ou pas? Je me suis posé la question. Parce qu'imaginons que je tombe. Voilà, bah en fait, c'est juste ici, les gars. Donc, bien. Alors, déjà, la température elle baisse pas mal. Hein. Je sais pas si j'aurai le temps de tout livrer. Ou pas. Il commence à faire nuit ou pas là? Non, c'est bon, ça va. Bah après, t'as vu mettre le truc où les gars? Aucun rapport, le machin il est loin, l'autre il est. Ok, non. Normalement, je pense qu'en termes de température, il y a moins que ça le fasse. Mais je sais pas ce que ça fait quand tu livres une pizza genre qui est froide et tout. Tu dois t'arriver soit à mort, je pense. Donc, déjà, lui, c'est un riche. Donc techniquement, les gars, il est censé nous donner un meilleur pourboire. Enfin, du moins, je pense. Normalement, là, tu vois, hop, il nous met bien. Ok. Bonsoir. Ah ouais. Stylé, on voit le mec qui prend la pizza et tout. Alors, il m'a donné combien? 295 de pourboire. Ah ouais. Je m'attendais quand même à un meilleur tarif, tu vois. À un meilleur pourboire quand même, monsieur, 295. Votre collègue m'a donné 400 au bout d'un moment. Moi je veux bien être gentil avec vous, mais
Va falloir donner des pourboires, monsieur, hein, sinon la prochaine fois je vous la ramène froide, quoi. Tiens, lui, j'aurais dû le livrer en dernier, lui. Oh, 295, j'ai intérêt que les... Et les autres n'ont pas intérêt à être atteints. Sachant qu'on livre en ville, donc techniquement. Là, on a livré des maisons. On a livré une maison déjà riche tout à l'heure. Une deuxième maison, une maison dans un quartier riche. Là, on arrive en ville. Donc techniquement, le pourboire est censé être moins, moins efficace, disons. Bon, j'espère pas, quoi. Mais en tout cas, on va voir si. S'il donne des sous, pas lui. Ok, je vais faire une roue pour gagner un peu de temps. Voilà, bon, les pizzas sont pas froides, donc ça, ça devrait le faire en termes de pizza. Je pense que le mieux, c'est que je vais livrer celle tout au fond et je vais revenir, tu vois. Ouais, c'est le mieux. Bon, déjà, en termes de température, je pense qu'on devrait être plutôt bon. Bonsoir, ah ok, on livre un hôtel. Stylé. Bonsoir. Alors, combien il m'a donné là? 471 de pourboire, bah comme quoi. Oui, je suis lequel, les vénères ou quoi? Ah ouais, regardez, il me cavale, les gars. Je suis mort. Ah ouais, il voulait vraiment. Ok, on a 7000$ pour l'instant, les gars. 7000$, bon, par contre. Oh, on livre encore un hôtel, je crois. Ok. Bonsoir. Je viens livrer une pizza pour la salle. Ah ouais, mais grave, grave stylé par contre la cinématique. Je kiffe. Ok. Eh bien écoutez les gars, il me reste une livraison à faire. Qui se trouve juste ici. Alors là, on a les 391 de pourboire, ok, 31 de pourboire. En termes de pourboire, ça régale, j'ai l'impression que les pourboires régalent mieux que les livraisons. Donc en gros, on se fait 2000$ par livraison, enfin 2000$, et ouais, à peu près 2300-2400 par livraison. Et enfin, la dernière livraison, les gars. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez livré. Ah, bonus chaude comme la braise, 10000$. Donc on se fait 10000$ quand on livre. Ouais, quand on a le bonus. Donc en gros, les gars, quand vous livrez. Alors attendez. Activité. Voilà, c'est là que je voulais voir. Voilà. Alors ici, on a tout écrit du coup. Alors, bonus chaude comme la braise, 10000$. Pizza bis, 5 sur 5 livrés. À la fin, on s'est fait 21000 et 1900. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est fait 11910 de livraison. Plus 10000. Ok, est-ce qu'il y a un système de carrière avec les livres de pizza ou pas? Je crois pas. Centre d'intérêt peut-être. Braquage loisir. Non. Non, je crois pas qu'il y ait de. Carrière. Parce que vous savez, des fois il y a des prix. Non. Je crois pas qu'il y a, les gars. Peut-être qu'il y a des bonus ou pas, non. Ok. Et ben écoutez, voilà ce que ça fait du coup le livreur de pizza, les gars. Ce que ça donne en termes de gains et tout. Alors, il me semble qu'on peut. Ouais, là, je crois que. Si, je crois que c'est dispo. Ouais, c'est fermé. Alors, en fait, vous pourrez faire. Vous voyez, il y a un temps de délai. Je sais pas c'est combien de temps de délai. Mais du coup, vous pouvez refaire les deux autres pizzerias. Et vous pouvez faire jusqu'à 3 pizzerias, en fait. En fait, vous pouvez faire les 3. Vous pouvez pas, genre, en gros, enchaîner sur une seule pizzeria. Donc, je trouve ça dommage parce que. En vrai, bah, si tu veux livrer, tu livres à fond, tu vois. Genre. Soit tu fais métier jusqu'au bout, soit tu le fais pas jusqu'au bout.
Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 20 000 par à peu près 22 000 par pizzeria. Par pizzeria, on va dire une moyenne de 20 000. Ce qui me fait en gros, si vous faites les 3 pizzerias, 60 000, on a à peu près moins de 10 minutes pour faire ça. Donc en 30 minutes, vous faites à peu près 60 000, entre 60 et 65 000. Toutes les 30 minutes, plus ou moins. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.